Comment tu t'appelles? Fofana. Quelle origine? Guadeloupéenne, martiniquaise, congolaise. Elle est fait un petit coucou là-bas. Dis-moi, on va parler de ça par rapport. Est-ce qu'on peut parler de ça? Le fait que tu es. De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis lesbienne. Pourquoi? Point d'interrogation. J'aime les femmes. Jamais t'as été attirée par un homme? Non, ça m'intéresse. T'es déjà sortie avec un homme? Jamais de la vie. Même embrasser, bisous. Si, j'ai déjà fait un bisou une fois. Un bisou? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu gênée. T'es un peu gênée? Mais attends. Dis-moi un peu, t'as jamais fait avec un homme, rien du tout? Ça m'intéresse pas. Après, j'ai déjà. T'as déjà eu des rapports avec un homme? Non. Jamais? Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas un garçon qui t'a attiré, t'étais là et franchement, tu es un beau gars, un bel homme. T'es là, seulement, t'as dit, ah, il me le faut. Tu préfères sa femme? Oh putain. Zombie! Oh! Mesdames et messieurs! Maman a naillé. Elle préfère sa femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman a naillé. Qu'est-ce qui se passe? Tu préfères sa femme? Mais oui, je préfère. T'as déjà brisé un couple? Oui. Maman a naillé. Non, mais c'était pas... Attentionnel. Attends, réfléchis 5 minutes. Tu voyais la meuf et tout ça était très joli. Mais tu voyais que tu l'as attrapée. Dans... Elle était même pas dedans, mais tu l'as fait en sorte qu'elle soit dedans. Non, son gars, il l'avait trompée. Et du coup, je l'ai réconciliée. Ah, t'as trouvé le moyen pour... Yosan Ndoki. Non. Ndoki, vraiment, donc c'est ton couple. Toi, t'as débarrassé. Donc, t'as profité du moment propice. Elle était découragée. Elle était dans un moment très faible. Mais toi, t'as profité de cet instant-là pour shipper la meuf de quelqu'un pour dire oh, il t'a trompé. Trompons-le aussi. Mais c'est ça, c'est le trompi-trompa. Mesdames et messieurs. Faut faire attention, mesdames et messieurs. Bon, après, ça, c'est leur goût. Hein. On va pas dire n'importe quoi. Faut faire attention. Quand un homme trompe, si elle tombe sur des femmes comme ça, surtout belles comme ça, mais tu crois qu'elle est belle parce qu'elle aime les garçons. En fait, elle aime les femmes. Très dangereux, donc pire que les méduses. Donc, c'est très chaud. Ah, vraiment, mesdames et messieurs, c'est chaud. Nous sommes à Paris, nous sommes à Châtelet. Je viens, ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je suis pas passé ici. Je tombe sur ça. Je comprends pas comment ça se passe. Donc, pour dire que Châtelet, c'est. Non, je comprends pas. Et le moral de l'histoire, est-ce que tu avais eu quand même mal un peu? Tu sentais un peu coupable? Une interrogation. Non, c'était à lui de s'occuper de sa femme. Donc toi, t'as profité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es occupé d'elle ou après c'est fini? Ben, on s'occupait et puis après, on est passé à autre chose. Elle est retournée avec lui? Ça, c'est pas mon problème. Et ça m'intéresse pas. Donc t'aimes pas les saucisses? Non. Tu préfères les pêches? Hey, comment la pizza? Ok, merci, c'est bon. Ça, c'est pas mon problème. Toi, t'as ton boulot. Exact. Maman a naillé. Donc t'as eu ce que tu voulais, t'étais plus intéressé à aller retourner avec ton mec. Voilà. Oh non. Est-ce que tu vas à l'église ou tu vas truquer? Est-ce que tu t'es consulté toi-même pour te dire que franchement ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait? Au moins ça. Mais elle-même, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle a trompé. Mais c'est toi-même qui l'a poussé. Non. Tu savais qu'elle était dans le mal. Mais t'as profité de sa faiblesse. C'est ça, c'est toi. Mais elle a profité de mon envie. Chier. Ah. Donc c'est donnant, 50-50. À moitié pardonné. Est-ce qu'un jour, parce qu'un jour il faudra que tu fasses des enfants, comment tu vas faire? PMA. Comment? PMA. Non mais tu vas pas essayer de manière naturelle. Essaye un peu un jour avec un garçon. Je peux pas. Je passe personne. Hein, et j'essaie pas de la convaincre. Tout ça c'est du spectacle. Parce qu'après les gens vont mal comprendre. Voilà, dis-moi. Est-ce que tu vas essayer avec un homme? Non. Te marier? Tu veux pas te marier? Avoir une famille? Avoir un homme à la maison qui s'occupe de toi, un homme alpha? Mais ma femme... Il est milliardaire. Il te dit, écoute-moi, je vais te marier, les milliardaires. Il t'a dit, c'est bien. Je m'en fous de l'argent, même s'il est milliardaire. 100 millions par mois. Merci, c'était Qualité dit. Merci, c'était Qualité dit. Abonnez-vous, likez, commentez. 1 million de vues. Je fais la partie 2 de cette vidéo. Merci.